À 9000 euros, je serai intransigeant. Ah là, là, il y a tout ce que j'aime. Inventaire évalué à 23000 euros. Oh. Et c'est un Fnatic Astralis 2017. Oh le zinzin, avec Crims. Quand ton inventaire, gros, t'es millionnaire ou quoi? Il a des pièces de malade. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MALEXCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Ok, stop! Stop tout! On stoppe tout! Un inventaire vient de m'être distribué de la part de Cush, célèbre cafardinho du chat, multiple gifteur de subs, multiple accumulateur de subs. Plusieurs mois de sub et je comprends désormais pourquoi il dispose de 9000 euros d'inventaire. Jesus Christ! Alors, voyons son inventaire. À 9000 euros, je serai intransigeant. Voilà, sachez que j'ai pour habitude de donner des bonnes notes quand même quand des gens ont des inventaires à 300, 400, 500, 1000 euros. Parce que, avec les budgets que vous avez, vous essayez de constituer quelque chose. Tu vois, de sympa avec votre budget. Par contre, quand on m'envoie un inventaire à 9000 euros, il faut pas de faute de goût. Voilà. Interdiction à la glissade. On veut que de la pépite. Et là, je vois des belles pièces. Je vois des belles pièces. Alors, c'est parti. On va commencer déjà. Il y a du très lourd. En vrai de vrai, il y a du très lourd. Pandora 0,24 de flotte. C'est exceptionnel. C'est pas 4000, c'est plutôt dans les 5-6000 que ça vaut. Mais c'est très très bien. Donc pour le side CT, avec une M4 Blue Phosphore comme ça, des holos, c'est magnifique. Une éclair foudroyante pour aller avec les Pandora, le bleu, le violet, ça ressort pas mal. On a un sticker LDLC en plus 2014. Extinction de la structure la plus emblématique de l'e-sport français. Non, là j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Un stiletto P2 Factory New du plus bel effet. On va aller inspecter ça immédiatement in-game pour voir un petit peu la gueule du P2, s'il est bien rose pour aller justement avec les Pandora et tout ça. On a un 98% fade ici. Le Ursus, à mon avis, il doit être exquis. Ouh là 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 là. On a du vrai rose là. Là, on a du vrai rose. Là, on est très très clean. Voilà. Et puis, petite explication. On a un petit USP print stream magnifique. Il y a des petits pailletages rose violet dessus pour sortir avec les Pandora et tout. C'est Magnificos de chez Magnificos. On a petit Mac 10 fade. Oh là là, 98% de fade pour le Mac 10 avec un MP7 fade à 98%. Oh le mec. Là, il y a des pièces. Là, il y a des pièces très rares. Vraiment, ça coûte cher, mais en plus, c'est rare. C'est des trucs qui, même si ça coûte que 30 euros, tu vois, sur les 9000, il n'y a pas de faute de goût, vous voyez. C'est-à-dire que le moindre détail, on essaye d'aller au plus haut. Parce qu'aller chercher un truc à 100% de fade, là, je vous raconte même pas comment c'est très cher. Sachez-le. Donc, combinaison USP avec une M4 Print Stream 0,16 de flotte. Donc ça, c'est très bien. Même si c'est en field tested, le plus haut possible, il y a du meilleur pailletage et ce genre de trucs. AK Vulcain bleu. J'espère qu'il faut crafter des beaux stickers, tu vois. Genre ton sticker LDLC là, avec un petit, des petits reflets violets et tout. Ça irait très très bien sur ta Vulcain, je pense, d'ailleurs, mon ami. Les Stockholm Holo. Voilà, les Stockholm Holo, ça on garde, c'est pas mal. Deagle Print Stream, comme ça on a la triplette. Hein, on a l'USP, on a le Deagle et tout ça. On a un Gamma Doppler ici phase 2 full rose pas mal, et j'en ai vu un ici émeraude. Voilà, donc full émeraude, c'est tout vert, et phase 2 c'est aussi très 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 joli. Famas commémoration, c'est validé. Un petit Daryl Miami, une petite nageuse en agent CT, en agent terro. C'est très propre, c'est très 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 propre. Il manque quoi, les gars? Qu'est-ce qui manque à cet inventaire? En couteau, je pense que tu peux améliorer. Voilà, vu la valeur de ton inventaire, je pense que tu peux aller chercher du gros knife. Tu vois, genre du papillon, du vrai papillon fade. Tu vois, du vrai papillon de zinzin, quoi. De la vraie M9 aussi, des trucs qui iraient sympa, qui iraient très très bien avec ça. Mais là, ton inventaire, mon frère... Mettez la note, le chat, on va voir. Moi, j'améliorerais 2-3 trucs. Personnellement, j'irai chercher une grosse pièce de couteau. Parce que t'as des Pandora. Et pour aller avec des Pandora, faut mettre un couteau de zinzin avec. Donc un gros M9, genre un beau phase 4. Une M9 phase 4, mais genre très très magnifique, bien bleu et tout. Genre approche du saphir. Je pense que c'est dans tes moyens. Vu les couteaux que t'as et tout, je pense que c'est dans tes moyens. Ce serait un bel upgrade. Genre tu mets genre un bon 2000-2500 euros dans un couteau. Ça serait très très beau. Un talon knife, tu vois, un beau talon knife aussi. Parce que c'est genre le rapport qualité-prix, le talon knife, c'est pas mal. Je te mets 9 sur 10. T'es quasi à la perfection. Pour aller chercher la perfection avec ton budget, je pense qu'il te faut un bête de knife. Il faut un bête de knife, comme ça t'as un combo Pandora avec un couteau
photos de malade. Ta M4, tu peux rien faire de mieux. Une Print Stream, une Factory New, là comme ça, c'est très 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 bien. En AK, tu peux faire des efforts. En AK, en vrai de vrai, il y a des améliorations à faire. UMP Flamme, tout ça c'est stylé, mais l'AK, tu penses que tu peux faire mieux. Genre bah, une Factory New Stat Track en Vulcain avec des stickers de malade. Tu vois, si tu craves des stickers de malade dessus, tu vois, si tu m'envoies tes Cloud9 comme ça, si t'oses les mettre et tout, ça serait vraiment bien, tu vois. Alors, petite review d'inventaire de mon frérot Varog. 1000 euros d'inventaire. On a des Marble Fade ici, 0,25 de flotte, c'est très propre. Avec l'Ursus, franchement, ça va très très bien avec. Hyper Beast, c'est Gucci. Empereur côté M4A4, c'est pas mal. P250 ici, un petit Valence Tatrac, c'est pas cher du tout. Mais ça va vraiment bien avec ton loadout. Tu pourras peut-être essayer de le changer avec le Undertow. Le Glock et tout, très très beau. Parce qu'en plus, t'as fait un petit loadout en violet derrière. Avec une Neon Rider pour aller avec le Glock, pour aller avec le Mac 10 discothèque et tout. Si t'arrives à upgrade ton Mac 10 avec un Fade, essaye directement d'aller avec un Fade, hein, le Mac 10 direct. Ça serait stylé de ouf. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le Tech 9, tu devrais le changer. Petit Daryl Rolex en or côté terreau. Petit gendarme masculin en CT. Deagle Cobalt, c'est validé de fou. Ça va très très bien. Franchement, c'est stylé. Hein. T'as un petit inventaire. Hein. Là, même le Mac 7 et tout, avec des petits Craft Vita. L'Hyper Beast en AWAP. Tu peux aller sur de la Néo Noir aussi. Tu peux avoir de la Néo Noir aussi pour combiner. T'as le côté violet, bleu avec la Néo Noir. Franchement, ton inventaire, tu l'as vraiment bien marié, je trouve. Hein. Toi, je te mets genre 7, 7,5 sur 10. T'améliores 2-3 petites pièces et genre t'as un 8. Tu vois, avec ton budget, t'as un 8. Tu peux pas faire mieux que ce que t'as là en réalité. Oh là 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 là. Aline, il a un inventaire de zinzin. Vrai loadout. Vrai loadout. Ça, par contre, je suis moins fan. Mais là, il y a un vrai loadout. On va aller voir un peu ce que ça donne. Alors, inventaire évalué à 23 000 euros. On va aller regarder un petit peu les pièces qu'il y a d'intéressantes. On commence avec un fauchon Marble Fade. Petite full injector aussi en minimalware. J'aime bien. Une Night Witch. J'aime bien aussi. Avec des petits stickers en plus pour aller avec. Tu l'as bien crafté pour le coup. En Factory New. J'aime bien. Un Phase 3. Alors là, il faut que j'aille l'inspecter par contre. Pour voir un petit peu ce que tu nous as fait sur le Phase 3. Est-ce qu'il est beau ou pas ? En vrai de vrai, il est joli. Petite Print Scream Factory New Stat Track. Ah, là, je suis pas fan des cicatrices, moi. Je suis pas fan des cicatrices dessus. Surtout en Factory New, je pense que ça va pas du tout avec le pailletage. Mais sinon, frère, Factory New, t'es pas mal parce que la flotte, t'as un pailletage violet de zinzin dessus, non ? Oh, petite Hog Akihabara en usé à 400 balles. Un petit Number K, tête de capote, on aime bien. Un Crimson Web, bon là il est Battle Scared, ça tu dois t'en débarrasser. Hein. Tout ça tu dois t'en débarrasser. M9 Forest Boreal, ça prendra pas de valeur. Ça non plus. Ça tu dois prendre pour essayer d'upgrade, je pense. Tu te fais un kit de stickers de zinzin. Tu craftes sur ta Hydra. Tu peux crafter sur ta Hydra des Godsend comme ça, stylé, bien stylé. En plus tu l'as en 006, donc tu dois avoir vraiment le scope de. Tu dois vraiment avoir le scope de la WAP en full blanc, non ? Ouais, elle est stylée de fou, frère, l'Hydra. L'Hydra est incroyable. Regardez les serpents, là. Là, regardez, on dirait la dent d'un serpent, là, ici. Là. Vous voyez, on dirait le... C'est trop stylé. L'Hydra est trop stylé. Le canon est blanc. T'as une vraie flotte dessus. Hein. Ta Hydra est incroyable. Donc là, t'as la Tiger Tooth qui va avec l'Hydra. C'est là où je vous dis peut-être que ça va bien avec sa M4 Factory New avec les stickers cicatrices. Parce que si t'as un Talon Knife Tiger Tooth comme lui, avec l'Hydra plus la M4 et des petits... tu vois, si tu mets des petits stickers orange et tout dessus que tu veux aller avec, c'est stylé. Et en vrai, là, c'est un vrai Factory New propre. La flotte est pas mal. Hop, t'as la SG... Il a une SG, frère, souvenir, le con, frère. Il a une SG souvenir, gros. Oh, je vais péter mon crâne, frère. À 400 euros. Il l'a chopé en souvenir, carrément. Il a des Virtus Pro souvenir inferno. Ah, c'est fou. J'espère que la méta SG va revenir sur CS2. Parce qu'avec les hitbox et tout, il y a moyen que la SG revienne. Là, t'as un squeletton stylé en 0.35. Pareil, je le changerai, moi, personnellement, pour upgrader, tu vois, pour essayer d'aller genre vers 0.2 ici, parce que le Crimson Web, faut vraiment qu'il soit parfait, sinon, malheureusement, il est un peu scratché. Et encore qu'il est propre, le tien. Ah non, mais il est propre de fou, frère. Les gars, qui a déjà vu un Crimson Web en 0.35 comme ça, là ? On dirait un minimalware. Ah, garde-le, alors. J'ai totalement dit de la merde, tu peux le garder. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc là, t'as des gants, ça, les motos bleues, faut les vendre. Pff, oh là là, il a un Glock Emerald.
avec des stickers en question. Bah là, tu peux mettre des flipside, tu vois. Si tu veux mettre un vrai loadout dessus, tu peux mettre des stickers flipside. Là, petit Hyper Beast Stat Track Factory New avec du Happy et du NVS. Ouais, non, là, t'as des vrais trucs, frère. Une petite X-Ray. Oh, t'as des vrais trucs. Daryl Miami, le plongeur. Deagle Flamme. Je suis pas fan du tout des stickers, par contre. Je les aurais dégagés, moi, perso. Menace nucléaire aussi pour le P250. En souvenir. Oh. Et c'est un Fnatic Astralis 2017. Oh, le zinzin. Avec Crims. Oh non, non, il est fou, lui. C'est quoi ton inventaire, gros? T'es millionnaire ou quoi? Il a des pièces de malade. Non, c'est trop. Là, c'est des pièces. Là, on parle d'inventaire de collectionneur. Je vous jure. Il y a des mecs, ils ont des couteaux à 500 balles. Et ils ont pas des P250 de collectionneur comme ça, genre. P250, souvenir, Fnatic Astralis, match de fou au Major Atlanta en 2017 et signé Crims, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je sais pas si vous réalisez que ça, c'est une pièce de fou, frère. C'est comme quand t'as des paires de crampons signées par des grands joueurs de football. Pas forcément les ballons d'or, tu vois, mais des grands joueurs de foot. Des Francesco Totti, des Del Piero, des Pavel Nedved, des Robert Pires, des mecs qui ont joué au ballon, frère. Là, t'as un papillon, bah, tranquille, voilà, c'est... Tu vois, moi, je suis moins impressionné par ton papillon à 2000€ que par ton P250 souvenir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, t'as un StatTrak Factory New en kill confirmed aussi, c'est extrêmement rare. Donc, tu peux upgrade un peu ton inventaire. Je pense qu'il y a 2-3 pièces que je jetterai à la poubelle. Moi, tes gants, je jette à la poubelle, par exemple. Les deux paires de gants. À part si tu veux garder du bleu. Si tu veux garder du bleu, tu peux les garder, tes tortues. Mais les autres, je les dégagerai. T'avais ta M9, ça, je dégage. Tu vois, ça te fait 600, 700, 800 balles à récupérer, voire 1000 et quelques euros à récupérer. Et tu peux améliorer, quelques pièces. Te prendre un vrai couteau de zinzin, des vrais gants de zinzin, tu vois, des vices, des gros kimonos. Parce que les kimonos iraient très très bien avec une Hydra, tu vois, des kimonos rouges. Comme j'ai moi là, les tortues rouges. Tu t'en aurais pour 1005, 1006, je crois. Donc en AK, il a une X-Ray. C'est pour ça que je lui propose des rouges. Il a une rayon X, 23 000€, mais c'est 23 000€ de belles petites pièces. Vraiment, c'est 10 sur 10 ton inventaire. Honnêtement, 10 sur 10. Il y a 2-3 ajustements pour chipoter, mais sinon c'est pépite. On va review l'inventaire de notre ami Hero Access. Alors, inventaire évalué à 1500$. Ouais, Marble Fade Field Tested, ça c'est validé de chez validé. On va attendre de voir la flotte. Mais avec un Marble Fade et tout, c'est beau gosse. Chainsman, Marble Fade, Bloodsport, c'est beau gosse de fou. Atheris, pour moi, c'est une des AWAP les plus stylées de fou du jeu, alors qu'elle vaut que 5€. Le Deagle ici, c'est un Blaze de Wish, mais vas-y, on valide. Mais si t'as moyen de changer ton Deagle, franchement, je prends, tu vois. Genre, essaie de changer ton Deagle pour aller avec les Marble Fade comme ça et tout. Essaie de mettre un Deagle avec des couleurs, genre, tu sais, un Crimson Web, le Cobalt, tu vois, Deagle Cobalt, Deagle, tu vois, essaie de mettre des couleurs parce que tu sais, t'as du Marble Fade. Là, t'as le Scar 20 comme ça et tout, c'est stylé. T'as du Bloodsport, tu vois, t'as quand même un inventaire coloré. Je trouve que d'aller sur un Deagle comme ça, c'est dommage. Alors que tu vois, de là, t'as une Wildfire rouge et tout, avec tes gants, c'est stylé aussi. Pareil pour la Atheris, tu vois, ça va très bien avec les Marble Fade. Essaye de les mettre. Ouais, en plus, t'as un 0,18 en flotte, c'est très bien, tu vois. Ah, petit Deagle Print Stream, toutes mes excuses. En fait, t'as un Deagle Print Stream à 0,09, donc il a un pailletage de zinzin en rose. Avec une petite M4 Print Stream 0,20, pareil, il doit avoir un beau pailletage avec des petits stickers Prismolo. Franchement, toi, t'es un homme de goût, toi, en fait. Un petit Glock P4, comme ça, j'aime bien. Franchement, ça pour CS2, ça va être Gucci. M4 Empereur avec des gants Fade, ça irait très très bien. AK Impératrice, je préfère la Bloodsport, mais Impératrice, c'est validé. Une Cyrex, c'est validé aussi. Et puis ça va très bien avec tes Marble Fade pour le coup, parce que t'as l'intérieur en rouge. MP7 Fade validé, Commémoration validé, P90 Azimov validé, une petite Glagla au cas où. Non, t'as des petits goûts sympas. Hein. En vrai de vrai, ton inventaire, il est validé. Pour le budget que t'as... Pour le budget, genre 1005, je pense pas que tu puisses faire mieux, tu vois. T'as bien équilibré, t'as mis 50% dans des gants et un couteau, tu vois, genre 1005. T'as mis 750, tu vois, 800 dans les deux. Et après, t'es parti chercher des petites pièces à droite, à gauche, avec une belle AK. Deagle M4, t'es stylé. Ouais, faudrait peut-être que tu te prennes un Glock Vogue, un Glock Water Elemental, un petit USP. T'as quoi en USP? Ah non, t'as l'UMP Sprint Stream aussi, ouais, t'es bien, non, 0,10 de flotte, ouais, non, t'as le combo Print Stream, non, t'es bien, en vrai. Franchement, 8 sur 10, ton inventaire. Hein. Ouh, il y a des belles choses. Ah, Monsieur Crysic, c'est un amoureux de Counter-Strike. Ah,
Là, il y a tout ce que j'aime. Dans le budget Clochardinho, et encore, enfin, c'est, voilà, c'est quand même un bel inventaire, je trouve qu'on est bien. Donc, inventaire évalué pour 1638$. On a direct dans le vif du sujet, petit Tech 9 comme ça, circuit d'injection. Un des plus sous-cotés des Tech 9, vraiment un des plus jolis, je trouve. Juste pour 2€, franchement, il est vraiment beau gosse. Petit AWAP Wildfire avec un top flotte. On est sur un fil tested avec un 0.15 de flotte. Donc, on est vraiment en minimal wear. C'est magnifique. C'est validé de fou. Une M4 Hyper Beast 011 en minimal wear. On est très, très bien. Un petit agent FBI. C'est le meilleur des... Un petit agent gendarmerie nationale, pardon. Gendarmerie française, escadron, ça j'aime bien. Marble Fade ici, on est pas mal. Pas beaucoup de jaune, on est très bien. Franchement, on est très bien. Bleu, rouge, jaune, rouge, bleu. On est vraiment bien. Il est vraiment stylé de fou. Les Impériales avec une top flotte aussi. 0.18, je pense qu'ils doivent être dans une excellente condition. Ah ouais, ils sont magnifiques. Les Impériales là, ils sont incroyables. T'as juste un petit scratchouille ici, encore. C'est un petit pétoule de rien du tout. Franchement, ton couteau, tu vois, on est sur un inventaire similaire au tien, Hero, tu vois, que tu m'as montré juste avant, avec le même budget, mais tu vois, t'as pas les mêmes pièces. Son couteau vaut deux fois plus cher que le tien. Ses gants valent quasiment le même prix, mais moi, je préfère les Impériales. C'est pour ça que je te dis, prends les Fades, ça va changer totalement la gueule de ton inventaire. Après, on a un Tiger Tooth en plus, tu vois. Donc, le jaune et le orange jaune avec le violet, ça se marie très bien. C'est des couleurs... C'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc un side CT avec ce couteau, un side Tero avec ce couteau. Petit AWAP Wildfire, petit M4, tu vois, stylé. Alors que toi, par exemple, Hero, t'avais des Prince Stream et tout. Tu vois, t'avais des M4 beaucoup plus chers, des Deagle beaucoup plus chers. Mais lui, tu vois, niveau couteau, niveau gants, niveau tout ça, c'est mieux appareillé. On a une Légion d'Anubis, 0.18 de flotte aussi. C'est une petite AK, tu vois, à 10€. Mais c'est très joli, ça va... C'est très beau. Par contre, je pense que ça va pas du tout avec les Impériales. Tu vois, le violet avec ça, je sais pas si ça va bien, faudrait voir. Et on a un Daryl Miami, donc là il te met une vitesse aussi. Petit Daryl Miami en agent de terreau. Voilà, ça manque d'un USP, ça manque d'un petit DP250. Tu vois, tu mets 20 balles de côté tous les mois, t'essayes de t'acheter un petit gun, un petit USP, un petit P2, un petit Deagle, un petit truc. Et ben tu vas te mettre bien, un petit FAMAS, un petit Scout. Mais pour le moment, t'as vraiment des belles pièces. Moi je valide à fond. Je valide à fond ton inventaire. Pour le budget que t'as, c'est pas un inventaire complet, mais t'as trois belles pièces qui vont très bien ensemble, qui sont très complémentaires. Personnellement, je mettrais un 7/10 à ton inventaire parce qu'il faut le compléter, tu vois. Il est incomplet. Pour moi, c'est un inventaire qui vaudrait même 9/10, tu vois, en fonction de ton budget. Si tu mets genre encore 300€ de budget dans ton inventaire, tu vas chercher genre un Scout, un FAMAS, une Krieg, une belle AK, tu vois. Il faut vraiment améliorer ton AK, par exemple. L'AK, il faut mettre le billet, tu vois. Tu prends une full injector, là, avec ton truc violet comme ça, une full injector, ça serait incroyable. Voilà, mon ami Cryzix, ton petit inventaire, ta petite review inventaire. Tout le monde valide l'inventaire de Cryzix. Franchement, vous avez des belles pièces, les gars, hein, avec des petites caisses majeures. On a du Anubis, on a du Ancien, on a du Ancien, on a du Mirage, on a du Mirage. Pas mal. On espère que ça va prendre de la valeur et on est bien.